Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu en audience une délégation des Émirats Arabes Unis. Ensemble, ils ont évoqué les réchauffements des relations entre les deux États au niveau de la coopération sécuritaire. C'était un reportage de Fanny Kikoufi. Un groupe de 10 réunis autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces Émiratis, accompagnés du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béard, souhaitent établir une collaboration dans le domaine sécuritaire entre la République démocratique du Congo et leur pays, les Émirats arabes unis. Une coopération accrue pour faire face au terrorisme a rassuré le major général Dr Ahmed Nasser Al-Raissi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis. Cette audience marque la volonté du chef de l'État ainsi que des autorités émiraties à renforcer les relations bilatérales entre les deux États et faire en sorte que la coopération dans tous les domaines, spécialement sécuritaires, puisse être au plus haut niveau. Pour votre information, les Émirats Arabes Unis et la RDC vont collaborer ensemble pour et voir comment ils peuvent mettre tout en œuvre pour terminer l'académie de police, entre autres. Ça, c'est un des projets. Et ils veulent aussi collaborer dans le domaine de la formation, d'échange d'informations. Ils veulent vraiment qu'il y ait des relations bilatérales. En croire cet expert en technologie policière, gestion et coordination internationale de la lutte contre la criminalité, le président de la République a été très réceptif et soutient totalement ses initiatives. Cette séance de travail marque peut-être le début d'une collaboration entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les domaines d'échange d'informations bilatérales au niveau sécuritaire. Kinshasa sera en 2022 la capitale de la CEAC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné son accord pour présider dès l'an prochain la conférence des présidents de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'était au cours d'une séance de travail avec une délégation conduite par le président de la commission de la CEAC, Patrick Michel Nkoy. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La présidence de la CEAC va bien traverser le pool Malebo en 2022. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné ce lundi son accord de principe au président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour succéder à Denis Sassou Nguesso, qui assume jusqu'ici la présidence tournante de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, à la tête d'une délégation de cette organisation sous-régionale, a également évoqué avec le chef de l'État congolais la question d'une dernière décision qui doit compléter les 17 autres prises lors de la dernière conférence de chefs d'État et de gouvernement tenue le vendredi dernier par visioconférence. Je peux vous dire une décision, c'est sur la sécurité maritime à la région. C'est même la première décision et c'est sur la sécurité maritime. Il y a une autre décision sur la création de l'Organisation de santé de l'Afrique centrale, l'OSAC. Il y a une autre décision sur la zone de libre-échange de l'Afrique centrale et le soutien de cette zone de libre-échange à la zone de libre-échange continentale, la ZELECAF. Il y a une autre décision sur la vaccination, les décommandes de vaccination en région d'Afrique centrale. Après son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'achève en 2021, la République démocratique du Congo va une fois de plus mesurer le poids de son nouveau leadership en Afrique à travers la CEAC. Créée en 1983, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est une organisation internationale qui vise le développement économique, social et culturel de l'Afrique en vue de la création de structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. Paix, sécurité et développement économique au sein de la CEAC, sujet au cœur des discussions entre le président de la commission de la CEAC, Gilberto, avec le ministre de l'intégration régionale, Vital Pagabita. C'est appelé à jouer un rôle de locomotive au sein de la CEAC, communauté économique des États d'Afrique centrale. Le président de cette organisation sous-régionale, Gilberto da Piede,
et le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu ont longuement discuté des questions spécifiques de la RDC, de la paix, de la sécurité, du développement économique des États membres. Et la CEAC est en bonne santé. Et en bonne santé parce que la CEAC s'est réveillée. Elle était un peu dormante, mais elle s'est réveillée. Et on peut vous dire que depuis notre prise de fonction, on a déjà eu 4 conférences de chefs d'État. Ça montre vraiment le dynamisme de la CEAC. Et il y a des difficultés, mais c'est normal, la vie, c'est vivre, c'est résoudre des difficultés. Et nous sommes là pour résoudre les difficultés. Nous avons le soutien des chefs d'État, tous les chefs d'État. On a eu la dernière conférence des chefs d'État, on a eu 7 chefs d'État présents et 4 ont été représentés. On a fait 8 réunions des ministres de février à juin 2021. On a fait 8 réunions des ministres et avec les 11 États présents. Donc la CEAC est vivante. L'émissaire du secrétaire général de la CEAC n'a pas manqué d'évoquer la tenue du sommet des chefs d'État de la CEAC avant la fin de cette année. Changeons de chapitre pour parler de l'état de siège. La chefferie de Boucha dans la province du Nord Kivu est en proie à l'insécurité. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima, a procédé à l'installation des sous-commissariats. Police de proximité oblige. Ils n'ont pas su résister à la puissance de feu des FARDC engagée sur la ligne de front en Ituri. Une vingtaine de miliciens Codeco ont été capturés par l'armée régulière dans les territoires des Djougou. Les blessés, eux, sont pris en charge par les unités médicales de cette zone. Explication du porte-parole des forces armées de la République en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. En plus de ces 3 ici, il y a au moins 18 blessés qui sont internés encore à l'hôpital pendant ces combats ici. Et la perte sera totale dans les cas ennemis s'ils ne posent pas les armes. Un des miliciens tombé dans les filets des commandos FARDC invite ses compatriotes à déposer les armes. Halte au message d'intoxication, Martin, le lieutenant Jules Ngongo. Lieutenant général Luboya Kachamadjoni est commandant des opérations. Cette troisième phase sera plus violente et ça sera de manière rapide et brutale. Tous les moyens possibles seront mis en contribution pour imposer l'autorité de l'État et que le bon citoyen se retire. À la population d'accompagner les éléments de forces armées qui sont engagés dans les opérations et de cesser avec tout le message d'intoxication et de démoralisation de nos vaillants qui versent leur sang pour la cause noble qui est la paix. Les opérations militaires se poursuivent pour démanteler toutes les barrières érigées par les groupes armés. Merci Oscar Mbal pour ce reportage. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a procédé à l'installation des sous-commissariats de la PNC Police, police de proximité oblige. Regardez. De Buito en territoire de Rutshuru a désormais un commissariat territorial de la police nationale congolaise. L'inauguration de l'ouvrage qui abritera désormais les différents services de la police a eu lieu ce jeudi 29 juillet 2021 à Kikuku, chef-lieu de la même chefferie. C'est le commissaire divisionnaire, le vice-gouverneur Romy Ekoukalipopo, qui a procédé à la réception de ces bâtiments, construit dans le cadre du programme de stabilisation. Il s'agit là des projets financés par le Fonds de cohérence pour la stabilisation, comme l'explique ici Souni Matabaro, chef de bureau de Starek au Nord Kivu et membre du secrétariat technique. Le vice-gouverneur a saisi l'opportunité pour installer ce commissariat territorial à la tête le colonel Dukouzé, peu avant de revenir sur l'essence de l'état de siège et le rôle de la police nationale congolaise devant une foule immense qui lui a réservé un accueil délirant. Pourquoi suis-je entendu, moi? Pourquoi est-il entendu lui-même si vous ne voyez pas? Tout simplement, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, ont suivi ce que vous, la population, vous avez demandé. La construction de ces bâtiments et son équipement
a coûté 143 730 dollars américains. Il contient 16 bureaux, 2 cachots, 5 latrines. Occasion pour le vice-gouverneur de visiter les autres ouvrages construits comme la maison des jeunes et la résidence du chef de la chefferie, construit dans le même programme de stabilisation de la contrée. Nous sommes en chefferie de Buito. Parlons santé à présent, stress et dermatose psychologique, c'est le thème choisi et exploité par les médecins dermatologues de la Société congolaise de dermatologie. Rodé Pondam en parle. Vers la signature d'un accord entre les médecins grévistes et le gouvernement, cet engagement va déclencher la suspension de la grève. Cette suspension ne pourrait intervenir que lorsque les banques syndicales et le gouvernement signeront un accord permettant à ce que le médecin puisse rentrer. L'accord reprendra les différentes grèves, différentes demandes, réclamations des médecins. Nous sommes au point de signer un accord. Les médecins du secteur public se réjouissent de la prise en compte de leurs revendications résumées par Jivenil Mwanda, secrétaire général du CEMECO. Il s'agit notamment de la promotion au grade, l'admission sous statut et la mécanisation, la continuité de l'alignement à la prime de risque professionnel des médecins non primés. Pour la prime de risque professionnel, le médecin des services publics de l'État a noté que le gouvernement de la République a accepté de corriger en deux paliers l'injustice dont ils sont victimes depuis 2018 par rapport au taux de référence consacré. Quant aux indemnités de transport et de logement, ils ont noté que le gouvernement de la République a accepté de les intégrer dans le budget 2022. Le médecin des services publics de l'État, membre du SNABET ASPEL et du SUMECO, ont décidé de suspendre la grève dès la signature formelle de l'accord entre le banc gouvernemental et le banc syndical de médecins. De leur côté, le personnel de santé non médecin vient de lancer une grève sèche. Ils dénoncent les discriminations, les injustices et des considérations dont ils sont victimes comparés aux médecins. Modeste Batilukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, s'est entretenu avec quelques sénateurs sur des questions d'actualité de l'heure. Conduite par Didier Mumengi, président du groupe provincial de Kinshasa, la délégation des sénateurs a exprimé ses inquiétudes, notamment sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Les sages de la capitale lancent une alerte sur un danger d'implosion qui guette Kinshasa, dont la gouvernance est en panne, selon leurs propres termes. La question de la crise sanitaire due à la COVID-19 s'est également invitée aux échanges. Nous avons ensemble déploré le fait qu'on ne communique pas assez sur cette maladie, qu'on ne sensibilise pas assez notre population sur les dangers de cette maladie, alors que cette vague est de loin plus meurtrière que les autres. Tous les autres aspects, aussi bien de la gestion de la ville dans ses difficultés de transport, dans l'éducation des bases, dans tous les aspects, nous avons fait des propositions concrètes. Et notre soulagement, notre quasi-bonheur et la réaction de notre président qui a décidé cette fois-ci de nous accompagner avec vigueur pour que notre République sache que les sénateurs ont un rôle majeur dans la République. Signalons par ailleurs que le sénateur Mbadou Ambadou du groupe provincial du Congo central était aussi associé à cette rencontre pour parler des problèmes communs de ces deux provinces voisines. L'utilisation de fonds de péage de la nationale numéro 1 a fait partie des sujets évoqués au cours de cette séance de travail. Bientôt, les élus des élus vont effectuer des descentes sur terrain dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Faire la promotion des produits locaux de consommation, c'est l'objectif de la coopérative des pêcheurs et commercialisation de poissons. Vous le savez, cette structure a été lancée il y a quelques jours par le président de la République, structure qui vend des produits congolais à Maluku. Françoise Boulabouaki. Commune de Lancele, Kinkole, la cité des poissons. Grâce à la coopérative des pêcheurs et commercialisation des poissons, comme le gros moto que vous voyez là, la vente s'organise. Les acheteurs ont un embarras de choix. Le président de la République est passé chez nous il y a 15 jours. Il a inauguré l'endroit.
Il nous a donné une impulsion. On est dans la même vision que lui. La COPECOP se lance dans la vente des poissons du fleuve Congo. Rompre avec la dépendance extérieure des produits surgelés et offrir à portée des mains des aliments locaux. À partir de leur prix convenu avec les pêcheurs, nous mettrons un petit pourcentage pour la COPECOP. Et en revendant, nos pêcheurs bénéficieront et nous-mêmes aussi, et la population aussi. Les prix varient selon le poids. Le moins 10 ans est fixé à 8000 francs congolais le kilo. Nous avons dans le projet pilote 50 pêcheurs. La coopérative des pêcheurs, c'est-à-dire encadrer les pêcheurs, les former, créer une assurance maladie pour eux. L'extension de la coopérative garantit l'écoulement des produits des pêcheurs et assure en même temps une alimentation de qualité aux ménages. Le ministre du Budget a lancé les travaux de la conférence budgétaire pour l'exercice 2022, une occasion pour les parties prenantes au processus budgétaire de produire un projet de loi des finances cohérent et en phase avec les orientations de l'encadrement de la politique budgétaire. Ricky Nzuziloé. Après le séminaire d'orientation, les parties prenantes, avec l'appui du COREF Profit Congo, se retrouvent en conférence budgétaire. Elle reste cette ultime étape dans le processus budgétaire pour produire une préfiguration de la loi des finances exercice 2022. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fixé les domaines prioritaires sur lesquels le gouvernement mettra un accent particulier et que le budget de l'État devra refléter. Il s'agit notamment de la défense et la sécurité pour pacifier l'Est de notre pays, la justice, les institutions et l'administration publique en vue de promouvoir l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Avec la participation active de la société civile, le ministre d'État, ministre du Budget, Emeboji Sangara, qu'accompagnait le vice-ministre au budget, Maposo Élisée, a fait un bref aperçu sur les initiatives visant le renforcement de la gouvernance budgétaire. Il a souligné le passage imminent de la RDC à la budgétisation axée sur les résultats. Migration vers le budget programme d'ici à 2024 pour amener le développement dans les 145 territoires que compte la RDC. L'innovation épinglée, c'est de faire examiner, adopter pour la première fois le cadre budgétaire moyen terme 2022-2024 en Conseil des ministres. Parlons à présent de nous, la délégation de l'inspection générale de finances, IGF, dans l'enceinte de la radio-télévision nationale congolaise. Par là débute, certes, la mission d'encadrement et de contrôle de gestion des finances au sein de cet établissement public. Ceci fait suite à la correspondance adressée par l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinghetti, le 27 juillet 2021 au directeur général ad intérim de la RTNC. C'est un reportage de Luxon Kabbalah. Composée de 4 membres, dont une femme, la délégation de l'inspection générale des finances a été reçue par le directeur général ad intérim du média public audiovisuel, Freddy Moulumba, dans son cabinet de travail. L'ordre de mission adressé en date du 27 juillet 2021 par l'inspecteur général des finances, chef de service, annonçant le début de la mission d'encadrement et des contrôles de gestion auprès de l'établissement public RTNC. Cette correspondance indique que tous les responsables des services compétents de la RTNC sont instruits de mettre à la disposition de l'IGF sur support électronique ou format papier, les documents et renseignements au gré de la mission sur le terrain. Devoir d'honneur oblige, le directeur général AI de la RTNC, Freddy Moulumba, a levé l'option de médiatiser ce genre d'activité de l'IGF qui constitue une grande première pour le bonheur du peuple congolais. Et Séverine Pascal Katanda nous propose dans ce reportage ce qu'a été la cérémonie de mise à la retraite des enseignants. Regardez.
peuvent se prévaloir aujourd'hui du grand mérite d'avoir inscrit leur nom sur la liste de professionnels de la craie blanche qui partent à la retraite après avoir fourni leur énergie dans la promotion d'un parmi les secteurs clés de toute une nation. Dans un premier temps, les enseignants du primaire et du secondaire, dont la fourchette d'âge avoisine 65 ans, après plus de 40 ans de service, disent au revoir au tableau noir. Ils ont pris un repos mérité ce 2 août 2021 à la sortie de la cérémonie solennelle du lancement de l'opération de mise à la retraite des enseignants au complexe scolaire Mukengeli d'Elimba. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, qui présidait la cérémonie, a précisé que les indemnités de fin de carrière payées sont l'aboutissement d'un long processus engagé par la composante du sous-secteur de l'éducation et le banc syndical. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique va, sur fonds propres, procéder en ce jour à la mise à la retraite de la première cohorte de 60 enseignants du primaire de la ville de Kinshasa. Lusakava Najon, doyen de retraité avec 87 ans d'âge, 66 ans de carrière, plaide pour qu'après la retraite, qu'il bénéficie régulièrement de la rente de survie. Oui, vous avez les retraités aujourd'hui. Vous n'allez pas nous oublier. Vous n'allez pas nous jeter dans les poubelles. Nous sommes là pour vivre. Nous devons vivre en tant que retraités. En plus d'une enveloppe assez consistante à chacun, les retraités ont bénéficié de cadeaux en guise de reconnaissance pour tant de loyaux services rendus au pays. La deuxième session de formation des agents et cadres de la RTNC s'est clôturée. Cette fois-ci, c'était les réalisateurs et les reporters qui ont été formés. Les récipiendaires se sont outillés et se disent capables d'améliorer leur qualité de travail. Le directeur général ad intérim de la RTNC a procédé à la remise des attestations. Regardez. Formation de mise à niveau de journalistes et techniciens de la Radio-Télévision Nationale Congolaise se poursuit. Après les présentateurs du journal télévisé à la direction des Infos TV, c'est le tour des réalisateurs d'antennes et des émissions. C'est à l'issue des 10 jours de formation que les récipiendaires ont reçu les attestations de main du directeur général ad intérim de la RTNC, Freddy Moulumba, qui n'a pas manqué d'encourager les participants à cette formation capitale pour l'amélioration de leurs prestations. Nous sommes un grand peuple, un grand pays, il faut aussi de grandes élites. Et pour cela, ça passe par les médias. Une plus-value pour les bénéficiaires qui se disent capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous les réalisateurs qui sont concernés dans la production du journal télévisé, et dans la production des émissions élaborées, et dans la production de différents magazines, ont retrouvé, chacun en ce qui les concerne, la matière nécessaire pour compléter ce qu'ils ne savaient pas. C'est un nouveau vent amené par le ministre Mouyaya, qui veut que la RTNC change sa façon de travailler. Nous étions obligés d'être recyclés. Vraiment, le réalisateur a fait perdre son leadership. Ça nous a permis de pouvoir revoir beaucoup de choses qui partaient dans le mauvais sens. Après beaucoup d'années de différentes productions, ça valait la peine de se remettre à niveau. Pour un nouvel élan. Les réalisateurs jouent un rôle important dans l'audiovisuel, plus précisément dans la production des émissions et des journaux télévisés. D'où cette formation est la bienvenue pour le bon fonctionnement de la RTNC. Et puis, une délégation des parents de l'étudiant décédé il y a peu, Honoré Chama, était au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avec le ministre des tutelles. Ils ont parlé des préparatifs, ils ont parlé de la question, ils ont parlé ainsi que de la procédure pour que la justice soit rendue en mémoire de cet étudiant décédé. Je vous propose de suivre ce reportage. Nous sommes dans un état de droit. Nous voulons voir la justice être appliquée dans toute sa rigueur. Ceci pourra soulager la famille et la communauté estudiantine. Ces propos sont ceux de Maurice Niema, représentant la famille de l'étudiant Chamakou était honoré, fauché par une bavure policière. Autour de la table du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, se trouvait le père éprouvé venu de Mweka et quelques membres de famille, le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa et le député national élu de Mweka,
Martin Ikoukt Ikok. Question d'organiser des obsèques dignes à ce citoyen dont la vie a été interrompue par un irresponsable. En droite ligne des recommandations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est totalement impliqué jusqu'à l'enterrement de Chamakouété Honoré. Nous sommes affectés par cet événement douloureux et en deuxième lieu, nous souhaitions, nous la famille, que le procès se déroule vraiment avec célérité, de sorte que on puisse nous permettre de procéder à l'enterrement digne de notre fils. Les préparatifs vont bon train et sont suivis dans les moindres détails par la tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire, incarnée par Moïse Ndonzangi. Profanation des églises catholiques à Mbujimayi, l'évêque de cette province s'est exprimé. Les paroisses, les objets sacrés, ainsi que les lieux de culte, n'est-ce pas commettre un péché grave, un sacrilège, que dis-je, une profonde abomination? Je demande donc à toutes les autorités administratives, militaires, policières et coutumières, chacune en ce qui la concerne, de sécuriser et de protéger toutes nos églises paroissiales et tous leurs biens. Qu'elles nous aident à retrouver et à récupérer tous ces objets de culte emportés, tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'autel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, et que le coupable soit poursuivi devant les cours et tribunaux pour y subir la rigueur de la loi. Dans l'attente de retrouver les objets sacrés volés, je recommande, 1. D'appliquer scrupuleusement dans chaque paroisse des mesures arrêtées à cet effet et communiquer aux vicaires épiscopaux et aux doyens. 2. De dénoncer toutes les personnes soupçonnées, recherchées frénétiquement, retrouver nos objets sacrés volés. Quiconque mettra la main sur l'un d'eux ou verra un des objets de culte ci-au-cité et prier de nous tenir informés le plus vite possible. Et toujours en rapport avec la profanation des églises à Mbujimayi, le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya, a sensibilisé les militantes et militants de ce parti à la discipline pour éviter que pareils actes se répètent. Une nuit sombre du 19 au 20 septembre 2016, la permanente de l'UDEPES a connu une visite macabre d'un commando faisant 6 morts. De veuves et orphelins de ses victimes, profitant de la journée des parents, sont venus pour exiger que la justice soit faite et solliciter une prise en charge auprès du secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya. Les motocyclistes de l'ANAMO, venus pour faire une déclaration de soutien au chef de l'État, au siège du parti, ont heureusement rencontré les chefs du parti. Devant ces groupes, le secrétaire général du parti, qui a eu vent des attaques contre le centre Lindongé, a fustigé de la manière la plus ferme ce qu'il a appelé manipulation. Nous sommes un parti politique de la non-violence. Si j'apprends, tel que vous êtes là, partout où vous habitez, vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui veut profiter de la situation politique pour aller s'en prendre aux édifices de l'Église catholique, il faut l'arrêter. Beaucoup de membres de l'UDEPES sont membres de l'Église catholique sur le plan spirituel. Il y a des moutons noirs qui pensent qu'ils peuvent ternir l'image de l'UDEPES et du chef de l'État. Le secrétaire général était habitué des attaques régulières contre son parti. Il insiste sur le fait que l'UDEPES est un parti non violent. Et néanmoins, il invite les combattants et les cadres à la vigilance et à ne pas céder aux provocations. Justice et réparation, c'est le thème choisi par la coalition Lamouka pour rendre hommage aux victimes du génocide. Ils ne sont pas dans les oubliettes, les millions de Congolais victimes du génocide des années 90. À travers cette célébration eucharistique, les membres du directoire de l'AMUKA et les partisans de cette plateforme politique ont associé leurs prières pour que la justice divine soit faite aux victimes qui ont versé de leur sang. L'officiant du jour, l'abbé Camille Essika, a loué l'initiative.
le 2 août de chaque année ne passera pas inaperçu. Une interpellation pour que le peuple congolais puisse se souvenir de ses morts, qu'il sache qu'ils ne sont pas seuls et que le sang versé réclame justice. Pour les organisateurs de cette journée commémorative, se basant sur le rapport mapping, ils réclament l'interaction du tribunal pénal international pour la RDC. La justice élève une nation, c'est cette justice que réclame la Mouka. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Tenez bon, la température ressentie ce matin à Kinshasa est de 21 degrés Celsius. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.